Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on se retrouve avec Play This Entertainment et son groupe New East, qui signifie New Established Style Tempo, okay. Qui a été créé en 2012 par Play This et dont Hybe est devenu le principal actionnaire en 2020. Un peu ce qu'ils font actuellement avec Promise 9, notamment depuis 2021, et ce qu'ils ont fait avec GFriend juste avant que GFriend disband. Donc voilà. Il y a aussi Ariola Japon pour le Japon, et du coup ils ont l'air d'être encore en activité. Ouais, ils ont l'air d'être encore en activité. Du coup, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 5 gars. Les 4 plus jeunes, évidemment, il n'y en a qu'un qui est vraiment plus vieux, ils ont tous le même âge, mais ils ont le même âge que moi la plupart, à part le plus vieux. Du coup, on a Aaron, DR, Beckho, Minhyun et Ren. Voilà, pour les noms des 5 gars. Hein? Attends, c'est quoi ça? Le rapport avec One-A-One? Attends, c'est pas les mêmes gars. Bon. Ouais, ça n'a rien à voir. Ok, bon, on s'en fiche. Du coup, on va regarder le titre Inside Out. Donc oui, effectivement, ils sont encore en activité. Qui est sorti le 19 avril 2021. Donc c'est un titre ultra récent. Du coup, je lance la musique. Pour l'instant, les gars, le portrait, c'est un truc assez cool. Il a l'air vachement musclé comme gars. J'aime bien son billard, il est un peu chelou, mais j'aime bien. Bon, finalement, c'est pas trop ce que je m'attendais. Le début était très dynamique, là, qu'on a eu la petite intro musicale, là, ça partait bien, et finalement, j'aime beaucoup le MV, par contre, le MV est très stylé. Il y a pas mal de bonnes idées, le montage est hyper bien fait et tout. Mais j'avoue qu'à part ça, la musique, je ne suis pas le très gros fan, quoi.
Putain, je suis désolé les garçons, hein, mais... Ah, du coup, on va voir quoi? Le logo de Hive ou de Playdis à la fin? Non, c'est bon, on reste sur juste le logo de New West, c'est bien. Alors, du coup, comme je l'ai dit, mais tais-toi, toi. Hein. Du coup, comme je l'ai dit pendant le MV... Mais... Qu'est-ce qu'il me fait? Du coup, comme je l'ai dit pendant la vidéo, le MV, je le trouve incroyable. Il y a beaucoup de bonnes recherches, de bonnes idées. On voit que le MV est très très bien. Voilà, les effets spéciaux sont très bien faits, contrairement à ce qu'on peut voir chez certains labels concurrents. Mais la musique, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est très très con parce que. Comme je disais, ça commençait bien, la petite partie instrumentale, on partait sur un truc ultra dynamique, et finalement, on termine, on fait quasiment, du coup, toute la chanson sur un truc très proche d'une balade, enfin, c'est vraiment très posé et tout, et vraiment, comme vous le savez, je suis pas du tout fan de ce genre de musique, donc on tentera autre chose des New West, hein, vu la longue carrière qu'ils ont, il y aura peut-être une autre chanson qui me fera changer d'avis, mais pour l'instant... C'est pas la meilleure découverte que je fais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma journée des mauvaises découvertes. Enfin, mauvaises entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus des mauvais artistes. Mais il y a quand même que deux artistes que j'ai mis à garder de côté. Donc, ce qui ne fait pas beaucoup sur... Attends, j'en ai fait combien aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enfin, 11, parce que là, j'ai tourné la 12e là. Ce qui fait que du coup, 2 sur... Sur 11, pour l'instant, ça fait pas beaucoup où j'ai été conquis dès le premier coup. Après, sur les autres vidéos que j'ai faites, il y a quand même, c'est clairement l'inverse, il y a quand même plus de... Enfin, ouais, non, on est quand même un petit mélange de... Parce que tout ce que j'ai mis en rouge, c'est ce que je garde directement, ce que j'ai mis en violet, c'est à tester une autre chanson et puis à garder de côté, enfin, à retenter, quoi. Mais pour l'instant, il y a autant quasiment de rouge que de violet, alors qu'au début, il y avait quasiment que du rouge. Mais bon, après c'est comme ça, on peut pas non plus aimer tous les artistes, hein. Voilà. Du coup, demain, on se retrouve pour une artiste solo, et qui du coup est la dernière des vidéos découvertes que je vais faire aujourd'hui, qui est Jennifer. Jennifer, je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça. Du coup, on va découvrir cette artiste féminine demain. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.